Marseillais, ce soir chez vous, Isabelle Motreau, Philippe Vandel, bonsoir, Caroline Diamant, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, bonjour, et Jérémy Michalak. Bonsoir. Je regardais le programme, là, on a du beau monde ce soir. Et en plus, on va parler aussi du tombeau de Jésus. Alors, curieusement, pas avec Monseigneur Gaillot, mais avec quelqu'un qui signe un livre sur ce tombeau de Jésus qu'on aurait retrouvé. Vous y croyez, vous, Pierre ? Oh, terriblement. Je crois autant qu'à Da Vinci Code. Je peux vous dire ? Allez, je crois qu'il est vraiment temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Nicolas Hulot, qui ce matin, dans Le Parisien, menaçait de revenir dans le jeu politique si les candidats à la présidentielle ne parlent pas plus d'écologie dans le débat. Mais alors, vous imaginez, si Nicolas Hulot revient, Dominique Voynet, qui était à 1%, alors là, il va passer à 0,1%. Pierre. Ben, je crois que c'est le grand perdant de cette élection. Ils lui ont donné le baiser de la mort, quoi. Ils lui ont dit, mais oui, on fera tout ça. Lui, alors, du coup, il ne s'est pas présenté. Il est parti confiant. Et il revient, une main devant, une main derrière. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que lui, il ne faisait pas ça pour lui. Enfin, pardon d'être naïf. Il faisait ça pour sa cause. Et maintenant, c'est dans tous les discours de tous les présidentiels, il y a l'écologie. Alors, évidemment, la télé ne les passe pas. Mais c'est bien ce dont il se plaint. C'est qu'il dit, vous en avez fait un cheval de bataille pendant 8 jours, et aujourd'hui, vous n'en parlez plus. En fait, le développement est durable, mais pas l'écologie. Oui, c'est vrai. Caroline, je le trouvais un peu menaçant dans la façon dont il répond aux interviews, genre attention, je peux encore intervenir, je peux distribuer de bons points. C'est un peu attention, arrogant. Une attaque du LM peut intervenir à tout moment. Mais non, mais c'est vrai, c'est un petit peu. Jérémy. Marc, c'est pas bête, ça, l'attaque du LM. Ça peut lui donner une idée pour un nom de parti. Le parti qui s'appellerait ULM, c'est l'Union pour la liberté de mouvement. C'est un coup tu viens, un coup tu repars. 6 mois tu gouvernes, 6 mois tu fais du deltaplane. C'est bien. On passe à la grogne des enseignants avec ce titre à la une de France Soir ce matin. Les profs mal en chair. Jeu de mots. Les enseignants se sentent tous mal aimés, nous dit le journal. Déconsidérés, abandonnés. Et ils menacent d'ailleurs de faire grève. Ils le font. Il y a plusieurs actions cette semaine. Des opérations tam-tam, le boycott du bac blanc. Cette menace de boycott d'ailleurs inquiète le ministre de l'Éducation, M. Gilles de Robien, qui a pourtant déjà fort à faire lui-même avec la campagne présidentielle, parce qu'on l'a interrogé à l'oral. Et il n'arrive pas à se décider entre continuer à suivre Sarkozy ou se rallier au panache de François Bayrou et ainsi revenir dans son parti d'origine. En fait, Gilles de Robien, il avait pris Sarko première option. On l'interroge sur Bayrou et total, il ne sait plus quoi répondre. Pierre. Non, mais c'est très mauvais une grève des enseignants. Les grèves des enseignants et la grève des camionneurs sont les deux choses que les gouvernements redoute le plus. Avec les agriculteurs, non. Peut-être, oui. Un peu aussi. Oh, non. Et une petite grève de cheminots, avec une grève d'infirmières par-dessus. Ouais. Mais une grève du visage, là... Je vous ai pas dit, c'est le moment de dire des conneries. Mais non, tu vas voir que ça va arriver. Caroline, je soutiens à fond les enseignants, honnêtement, vu ce qu'ils annoncent et la façon dont ils sont considérés ces derniers temps dans les propos. Mais je trouve qu'ils devraient être un peu plus créatifs dans leur manière d'ennuyer ou d'emmerder le gouvernement et pas, une fois de plus, que ce soit les bacs blancs et peut-être même le bac définitif qui soit touché. Alors passons à l'affaire Battisti. Cesare Battisti, arrêté dimanche au Brésil. Le Parisien, ce matin, nous expliquait comment la police française avait traqué Battisti. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que peut-être ce n'est pas Battisti qu'on a arrêté, mais Henri Guibé qui était en vacances au Brésil. À chaque fois qu'on le voit, on pense à Rabbi Jacob. En tout cas, le chef du gouvernement italien, M. Romano Prodi, a remercié Nicolas Sarkozy d'avoir participé à cette arrestation de M. Battisti. En échange, les Italiens nous proposent de nous rendre Amanda Lear. On leur a dit non, elle, vous pouvez la rendre au Brésil directement. On passe à cette photo de Naomi Campbell. C'est sans commentaire, ce que je viens de dire. Ouais. Naomi Campbell, qui elle est condamnée à 5 jours de travaux d'intérêt général. Elle est en train de les faire. C'est qu'elle avait jeté son portable au visage de sa femme de chambre qui ne retrouvait pas son jean préféré. Alors, comme travaux d'intérêt général, on lui a confié le soin de passer le balai et la serpillière. C'est Naomi Campbell qu'on voit là, avec ses bottes de travail dans le dos, dans un garage à New York. Et il paraît qu'à la fin de la journée hier, le garage était nickel. Il faut dire que pour la poussière, ils avaient pris Kate Moss comme aspirateur. Caroline. Moi, j'aurais trouvé pire. Je lui aurais fait faire le ménage chez sa femme mais de ménage pendant 5 jours. Oui, ça aurait été bien. Même chez elle.
de ménage. Moi, j'étais... J'étais hier dans le garage. C'est drôle, je rentre des États-Unis. J'étais dans le garage. Vous faites partie du clan Campbell, vous. Oui, non. J'étais dans ce garage. Nous étions 3800 candidats laveurs de voitures à l'œil. C'est pour vrai. Être à côté d'elle. Pour voir, il faut dire qu'elle est canon. Hein. C'est la plus jolie des mannequins, moi, je trouve. Ouais, je trouve que là, c'est pas évident qu'elle soit canon, comme vous dites, si élégamment, parce qu'elle est... Tu n'as pas vu les images à la télé? Elle a des talons comme ça, elle se dandine, elle marche comme sur un podium à côté du policier, elle fait son show. C'est pas évident qu'elle soit canon. Comme c'est la première fois qu'on la voit en photo, on peut pas imaginer qu'elle peut être autrement. Mais là, elle est pas maquillée, elle est pas... Tu vois, là, pour le coup... Mais elle là, sur cette photo. Il y en a que je préfère. Non, elle est sublime, mais c'est bien, ça se qualité. Je veux pas aider Pierre Bénichou, mais il y en a qu'on préfère voir pas maquillée que certaines sur le plateau maquillées. La différence... Ou à New York. La différence entre vous et moi, c'est que j'allais le dire, mais j'aurais pas dit sur le plateau parce que c'est trop méchant. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? C'est très méchant. C'est très méchant. Ça ne peut s'adresser qu'à moi. Non, pas du tout. Il y a des téléphones dans la gueule qui se perdent, moi je vous le dis. Ah non, c'est pas à vous que ça s'adressait, Claude. Ah non, c'est jeune femme, peut-être. Oui. C'était plutôt elle. Oui, quelle prétentieuse, mais qu'est-ce qu'on part avec Naomi Campbell maintenant? Allez, on termine avec des nouvelles d'Amélie Mauresmo, opérée de l'appendicite dimanche dernier et qui a dû renoncer à participer au tournoi de Miami. On espère qu'elle sera rétablie d'ici à Roland-Garros. En tout cas, il doit y avoir une épidémie en ce moment parce que le championnat de foot, c'est pareil. On va être obligé de retirer l'appendice. Ça s'appelle l'abolition du Paris Saint-Germain. J'ai dit abolition, c'est ablation que je voulais dire. Non, mais... En cas de tournoi sur herbe, elle sera opérée des végétations. Il nous est arrivé dans cette émission de recevoir de grands chanteurs, même des superstars. Mais ce soir, c'est un authentique mythe que nous avons le plaisir d'accueillir. Il possède très certainement l'une des plus belles voix de ce siècle et du précédent aussi, évidemment, maintenant. On lui doit des tubes de légende, « Summer in the City, Unchain My Heart »,« Ou You Can Leave Your Heart ». Oh non, oui, quand je chante, hein, je dégage, ça envoie du bois, comme dirait l'autre. Inutile de vous préciser, vous l'avez déjà reconnu, qu'il s'agit de Joe Cocker. Son nouvel album s'appelle « Hymn for My Soul ». On y retrouve toute la puissance de ce héros de la chanson, mesdames et messieurs. Voici Joe Cocker. Nouvel album de Joe Cocker qui sera en concert à Paris en octobre prochain. Merci de nous faire l'honneur d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau. C'est vrai que vous êtes un mythe. Quand on vous dit ça, vous dites « Non, moi, je ne suis pas un mythe. Red Charles, c'est un mythe, mais pas moi. » C'est quoi la différence entre un mythe et vous, alors, selon vous, monsieur Cocker? Really? That's a strange expression. Myth. Vous savez, ça, c'est une expression un petit peu bizarre, un mythe. Vous dites un mythe, c'est Red Charles. Vous pensez que Red Charles, c'est well, un mythe? Ray was my boss. Vous savez, Ray, lui, c'était vraiment un géant. Hein. C'était... C'est vraiment une idole pour lui. Il m'a tout appris. Vraiment tout appris, du point de vue vocal. Vous êtes en tout cas particulièrement fier, je crois, de cet album-là. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du producteur qui a travaillé avec vous sur cet album? Yeah, it's Ethan Johns. Oui, il s'appelle Ethan Johns. Et je crois que vous connaissiez son papa, ou son papa mourait d'envie de travailler avec vous. Et c'est finalement le fiston qui aura eu cette chance avec Joe Cocker, c'est vrai? Oui, c'est vrai que c'est un monde un petit peu... une histoire un peu surprenante, parce que dans les années 70, j'ai fait un album qui s'appelait Mad Dogs and Englishmen, et puis c'est son père, en fait, qui s'occupait du son, c'était l'ingénieur du son, et puis il a produit les Who plus tard. Et c'est avec son fils que vous vous retrouvez aujourd'hui? Oui, absolument. On va regarder un extrait de l'album, c'est le titre d'ailleurs de cet album, Hymn for My Soul. I saw myself today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone, no doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. No.
la voix de Joe Cocker, d'excellents musiciens. Des chansons pour certaines qu'on connaissait déjà parce que vous aimez ça, reprendre des chansons et des succès. Vous êtes même connu pour ça. Ça ne vous dérange pas d'ailleurs d'avoir cette étiquette de celui qui reprend parfois les chansons des autres et qui les transforme évidemment à sa façon. Non, vous savez, c'est uniquement en France lorsque je fais des interviews comme ça et que les gens me disent « Bon, pourquoi est-ce que vous faites autant de reprises ?» Bah, vous savez, moi, j'ai tendance à penser que les interprétations sont importantes. Moi, j'apporte un petit peu ma propre touche à ces nouvelles musiques et j'en fais mes propres chansons. Vous avez écouté Caroline Diamant ? Oui, j'ai écouté. Il a une voix magnifique. Je ne savais pas que vous n'aviez jamais écrit vos chansons. Vous étiez juste interprète. Je ne savais pas que vous aviez eu... Alors, vous allez rire, parce que visiblement, tout le monde sait des problèmes avec la drogue, avec l'alcool, tout ça. Je ne savais pas d'où était chargée votre voix, parce qu'elle est belle. Alors, j'ai une question à vous poser. Quand vous parlez de l'Angleterre... Oui, je vous pensais américain. Vous êtes anglais, né à Sheffield. Quand vous parlez de l'Angleterre, on a l'impression de vous parler d'une blessure. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi? Non, il faut voir que je vis aux États-Unis depuis tellement longtemps maintenant que finalement, comment dire, les États-Unis sont devenus mon vrai chez moi et puis j'ai un petit peu laissé tomber l'Angleterre. C'est vrai que je ne retourne plus tellement au pays, mes parents sont décédés, mais mon frère est toujours en vie et bon, je lui téléphone, je lui parle régulièrement. Pierre Bénichoux. Oui, j'ai lu quelque part que, ce qui vous empêchait de retourner en Angleterre, sinon une blessure, du moins... Cette peur de retrouver les pubs. Et vous dites à Sheffield, c'est le pays de la bière, et je ne veux pas retrouver ces pubs où je vais être obligé de boire avec mes copains. C'est la première raison. La deuxième, c'est que j'ai eu beaucoup de copains qui continuent à chanter sans être très connus et qui vont chanter le vendredi soir dans des bistrots. Et cela, ils m'en veulent un peu, je me sens mal avec eux. Really? Vraiment? Non. Vous savez, ce n'est pas exactement les vraies raisons pour lesquelles je ne retourne pas à Sheffield. En fait, vous savez, j'ai arrêté de boire, voilà, maintenant 6 ans. Et c'est vrai que s'il y a une tentation, bien à ce moment-là, bon, prendre une bonne pinte dans un bon vieux pub en Angleterre, par exemple, c'est toujours un peu tentant. Mais vous savez, je pense que ça, c'est une période qui appartient au passé, maintenant. Claude Sarotte. Moi, je me permets une question. Bon, vous êtes, qui vous êtes? J'admire total. Ce qui m'impassionne, c'est de savoir comment vous avez réussi, avec l'aide de votre femme, Pam, j'ai appris qu'elle s'appelait, à sortir de ça, sortir de la drogue, sortir de l'alcool et sortir. Comment vous avez fait? Et même de la cigarette. She's a strong personality. Oui, vous savez, c'est quelqu'un de très fort. C'est une personnalité vraiment, vraiment forte. Et comment dire, elle m'a supporté pendant pas mal d'années. Bon, j'étais un peu à l'ouest, comme ça, dans l'espace. Et grâce à elle, Dieu merci, elle est toujours avec moi. Et elle m'a convaincu, effectivement, que je pouvais arrêter de boire. Que vraiment, elle m'a aidé. C'est un vrai un point d'ancrage pour moi. Isabelle Motreau. Alors, moi, je suis ravie de vous voir en vrai, comme une petite fille, je dois dire. Vous avez participé à la Starac ? Star Academy. À la Starac. Oh, c'est l'époque où ils buvaient, en fait. C'est à ce moment-là. C'est... Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a ému de voir ces jeunes gens qui... Non, je suis désolé d'avoir à vous le dire. Hein. J'ai oublié le nom de la jeune femme avec laquelle j'avais chanté un duo. Je suis désolé. Hein. C'est Michel. Aussi. Non, je sais pas. C'est peut-être une star incroyable. Maintenant, j'en sais rien d'ailleurs. Michel, oui, c'est ça. Allez. C'est pas ça du tout. Ne croyez pas, il vous dit n'importe quoi. Jérémy. L'artiste, le chanteur est très impressionnant, mais peut-être pas autant que le record du monde qu'il détient. Vous le savez peut-être pas, mais ce type qui est sur notre plateau détient un record du monde absolument exceptionnel. C'est le record du monde de déshabillage, puisque c'est lui qui a réussi à déshabiller le plus de femmes dans le monde. Les jeunes ne le savent peut-être pas, les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais il arrive à les déshabiller sans les mains, puisque c'est lui qui a fait ça. Un claquement de doigts suffit. Donc vous voyez, ça c'est le record qu'il détient et vous allez voir que ce record mondial maintenant continue également sur internet avec une petite pub que je vous ai trouvée qui reprend la musique de Joe Cocker, regardez. Proč propásnout ty malé věci v životě? Světelná lupa zvětšuje téměř vše až 8x.
Voyez à quoi vos chansons servent. C'est vrai que vous avez une voix telle que vous êtes, j'imagine, même aux États-Unis, imité. Il y a de nombreux imitateurs qui font votre voix. People do it all the time. Je sais pas, c'est quelque chose que les gens font tout le temps. En tout cas, ils commencent à parler comme ça, à chanter comme ça. Et moi, je sais pas ce qu'ils disent, hein, en tout cas, mais bon. Je vais vous proposer quelqu'un qui, en France, vous imite sur scène dans son spectacle. Il sera au Café de la Danse en avril. Voici, regardez, Michael Gregorio. Auntie, my heart. Auntie, my heart. Auntie, my heart. Never let me go. Auntie, my heart. Can't you love me more? Every time I call you on the phone, something tells me that you're not alone. It's saying my heart, set me free. Well, I'm on this path, like a man in a train. But you know about well, then I don't stand a chance. Please untie my heart. God bless you. Michael Gregorio. Un commentaire, vous pouvez saluer Joe Cocker, il vous admire, il est fou de joie d'être là. Un commentaire sur son imitation. I wish I weighed as much là, as je dois he. Dire, j'aimerais bien peser aussi peu que lui. Hein. Non, non. But no, I was. Non, non. Sinon, a couple of times in c'est there, vrai que moi, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois hein, pour faire ce qu'il a fait là. Si par exemple il entamait une autre chanson, est-ce que vous accepteriez juste sur deux ou trois phrases de faire un duo comme ça avec lui si je vous donne ce micro? On essaye. Ah, ouais, Michael, c'est parti. You allez-y, right. Démarrez. Merci à vous, vous lui avez fait un plaisir immense. Joe Cocker en France en octobre, chez nous ce soir pour son album, nouvel album In For My Soul. Merci Joe Cocker. Un an après le Da Vinci Code, de nouvelles thèses sur Jésus-Christ et sa supposée épouse Marie-Madeleine font à nouveau trembler les fondements de la religion catholique. En effet, la découverte à Jérusalem d'une crypte vieille de près de 2000 ans serait, selon Simra Jacobivici et Charles Pellegrino, le tombeau de Jésus et de toute sa famille de Nazareth, sa mère, Marie, son épouse Marie-Madeleine et leur fils Judas. Cette thèse, Simra Jacobovici et Charles Pellegrino l'exposent dans ce livre intitulé « Le tombeau de Jésus », livre à paraître chez Michel Lafon. Le réalisateur James Cameron, vous avez certainement vu ça aux actualités, a fait un film documentaire sur cette histoire. Pour en parler et parler de ce livre, « Le tombeau de Jésus », accueillons donc un des deux auteurs, Simra Jacobovici.
je crois que vous parlez français puisque vous êtes canadien, canadien anglophone, mais parlant tout de même le français. Oui, j'essaie, j'ai fait beaucoup de faux, je m'excuse. Vous serez pardonné d'avance. Vous serez peut-être moins pardonné pour ce livre par certains catholiques qui vous en veulent, j'imagine, à vous et à James Cameron. Lui, c'est le producteur, James Cameron, c'est le célèbre réalisateur de Titanic, pour ceux qui l'ignoreraient, avec Leonardo DiCaprio. Là, il donne dans un autre genre, dans le documentaire, et ce documentaire, c'est vous qui l'avez réalisé, et ça donne aussi ce livre, publié chez nous, chez Michel Lafon, Le tombeau de Jésus. Vous avez conscience que vous alliez... Aussi, le documentaire va être diffusé par... En France. En France, TF1. Par TF1. En quelques semaines, je pense. Oui, une chaîne qui n'existe plus chez nous. Ah, je m'excuse. Parce qu'on a retrouvé un tombeau où c'était écrit Étienne Boujotte, oui. Patrick Lelay, ouais. Et... En tout cas, ça, vous imaginiez bien que vous alliez énormément choquer, et particulièrement, évidemment, les chrétiens, les catholiques, avec cette histoire. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas théologien. Je commence avec les faits, et je fais le reportage de les faits. Et cette tombe, ce n'est pas Da Vinci Code, ce n'est pas fiction, c'est un fait. C'est entre Jérusalem et Bethléem. Et les ossuaires, ils sont un fait. Les inscriptions, Jésus, fille de Joseph, c'est un fait. Alors, le fait, il faut quand même venir dès le départ, c'est qu'il y a un bulldozer pour, j'imagine, construire un immeuble, d'abord en démonter un et en construire un autre, qui fait des travaux là-bas en Israël. Et ce bulldozer va mettre à jour, effectivement, un ou deux tombeaux, plusieurs tombeaux, en tout cas, le tombeau dont vous allez dire que c'est celui de Jésus. Toute l'évidence dit que c'est de Jésus, son famille. Ce bulldozer, c'est en 1980 qu'il y a ces travaux, que le tombeau est dévoilé. Et pourquoi c'est seulement maintenant qu'on nous parle de cette affaire? Parce qu'il y a 27 des ans de silence. Personne ne veut pas parler de ça. Je sais pourquoi. Oui, pourquoi? C'est parce qu'entre-temps, il y a eu Da Vinci Code. Et qu'on a dit, ce genre d'histoire, ça marche. Donc, à ce moment-là, vous vous êtes dit, vous et les autres, eh bien... Dans la foulée de Da Vinci Code, on va inventer, on va raconter cette histoire de Jésus, son père, sa mère, sa femme, Marie-Madeleine, qui s'appelle pas vraiment Marie-Madeleine, mais qui est Marie-Madeleine. Puis, on va ajouter un enfant. En Amérique, ils aiment bien les familles très comme ça. Bon, et vous avez rajouté ce truc-là. La seule chose que vous ayez faite de scientifique, c'est de prendre dans le ossuaire. Où sont les squelettes du prétendu Jésus et de la prétendue Marie-Madeleine, et de dire, puisqu'ils n'ont pas le même ADN, ça prouve qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Donc, ils sont mariés et femmes. Alors peut-être, voilà. Peut-être vous préférez le silence, mais moi, je suis journaliste. Moi, je suis danseuse. Non. Je fais investigation. Oui, alors je fais une investigation et je reportais. Et le tombe, c'est un fait. L'inscription « Jésus, fille de Joseph », c'est un fait. C'est le seul coffre avec cette inscription qu'on a trouvé. Et il y a 3000, 4000 ossuaires qu'on a trouvés en Jérusalem. C'est le seul. De Maria, le fils, Judas, fils de Jésus, c'est un fait, c'est une inscription, ce n'est pas ma invention, ce n'est pas fiction. Alors, nous avons fait... Mais Judas, fils de Jésus, ce n'est pas historique du tout. Personne ne dit que Jésus a eu un fils qui s'appelait Judas. Alors peut-être on doit lire l'évangéliste John et de comprendre pourquoi il a utilisé cette code, the beloved disciple, le disciple que Jésus aime le plus, peut-être c'est le fils de Jésus. On doit investiguer, on doit commencer avec les faits, et après ça, la théologie, et pas l'inverse. Et sur ce que dit Pierre, sur c'est les tests... C'est pas ma faute, il y a un Da Vinci Code, oui. Sur ce que dit Pierre, sur les tests, ça c'est vrai, il y a eu des tests quand même scientifiques qui ont été faits, qui montrent donc que celui qui serait Jésus n'est donc pas de la même famille que celle qui serait Marie-Madeleine. Donc, comme votre, on va dire votre logique, c'est ça, c'est de dire dans un tombeau, soit on retrouve les gens d'une même famille, soit on retrouve les gens mariés. Comme d'après... Deux possibilités, relation de sang, voilà, ou relation de mariage. Exactement. Alors nous avons fait des ADN, oui, et l'on a arrivé à la conclusion que Jésus, fille de Joseph, est Mariamne, que c'est le nom grec
de Maria Magdalena ne sont pas relatives, alors de sang. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont mariés. Et ça explique pourquoi, dans le même temps, il y a un ossuaire avec l'inscription très choquante, Judas, fille de Jésus. Oui. Mais c'est un fait. Caroline. J'adorerais l'idée que tout ça soit vrai. Je veux dire que ce soit des recherches, effectivement, qui aboutissent sur, voilà, Jésus est mort et enterré là. Plusieurs incohérences qui ne sont pas de votre fait. On a le droit donc de construire, même une fois qu'on a trouvé un tombeau, et même si ce n'était pas celle de Jésus, en tout cas, c'était visiblement une tombe qui avait pratiquement 2000 ans. Ça valait la peine peut-être de ne pas construire un immeuble au-dessus. Et oui. Juste, bon, la seule chose qui aurait pu mettre tout le monde d'accord par rapport à votre thèse et fermer la bouche de tout le monde, c'est l'ADN de Judas, soi-disant fils de Jésus. Pourquoi juste cet ADN manque ? Parce que le problème est qu'on a pris cet ossuaire-là, on l'a mis en exhibition dans le musée de Jérusalem d'Israël, et qu'on a fait ça, ils ont pris un vacuum, oui, un aspirateur, et on a nettoyé tout pour l'exhibition. Alors, de petits morceaux d'ossements ne restent pas là maintenant. Mais peut-être, c'est le début de l'histoire, ce n'est pas la fin. Peut-être maintenant, avec toute la publicité, on essaie de... Il y aura peut-être une suite. Oui, Judas habite au troisième étage de l'immeuble, sa mère au-dessus. Oui. Isabelle. Moi, ce que je trouve très... D'ailleurs, ils vont installer un Judas à chaque porte dans l'immeuble. Alors, déjà, que Jésus ait appelé son fils Judas, je trouve que c'est une preuve d'humour formidable. Bon. Ce que je trouve étonnant dans cette histoire, c'est que ce que vous prouvez, c'est qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Jésus, qui était marié à une dame qui s'appelait Marie-Madeleine, qui a eu un fils qui s'appelait Judas. C'est tout. Parce que, finalement, si on lit la Bible, évidemment que Jésus est mort et ressuscité, patali patala, donc ce que vous prouvez, ce n'est pas du tout l'existence de ce fils de Dieu. Et si vous expliquez que c'est Jésus, le fils de Dieu, alors prenez l'ADN de Dieu, puisque vous prenez tous les ADN, et puis vérifiez avec Jésus. Et puis voilà, là, on aura une preuve que ce Jésus-là, c'est bien celui dont on parle dans la Bible. Mais finalement, tout ça, c'est deux histoires concomitantes. Oui, c'est très heureux de prendre des ADN de le Dieu, mais moi, je ne commence pas avec les théologies. Dans l'évangéliste Marc, qui est le plus ancien, c'est écrit que Jésus, fille de Joseph, a quatre frères. Un de ses frères, Joseph, il y a un diminutif dans Marc, José, pas Joseph, José. Comme Joseph Beauvais. Oui. C'est vrai. Dans cette tombe, près de Jésus, fils Joseph, il y a un José. Exactement le même diminutif comme l'évangéliste Marc. Alors, on doit prendre toutes les évidences ensemble. Évangélie et la fille de Jésus. Ouais. Je comprends plus. Moi, je vais venir à votre secours. Je suis beaucoup moins catégorique que vous. Alors, je ne suis pas persuadé que ce soit vrai. Mais en tout cas, je vais balayer les arguments de Pierre. Vous racontez très bien dans le livre que la plus grosse difficulté n'était pas technique, mais humaine, pour que les gens acceptent. Par exemple, on raconte que quand on a découvert dans les années 30 des tombeaux anciens avec des croix, l'Église a fait mine de ne pas les voir parce qu'on pensait que la croix était apparue au 8e siècle. Donc ils l'ont vue et ne l'ont pas décrite. Et quant à l'argument de gagner de l'argent, moi ce qui me fait dire c'est vrai, c'est que c'est pas sponsorisé mais aidé par Cameron qui a fait Titanic, qui est vraiment totalement à l'abri du besoin. Vous voilà. Savez, donc je pense c'est très drôle que Cameron qui a fait Titanic, qui a gagné 2 billions de dollars, il a besoin d'un documentaire pour faire le business. C'est très drôle. Mais oui, c'est impossible. Et entre nous, il n'a pas pris un dollar. Oui, c'est ce que je dis. Alors, c'est pourquoi gens... Non, je ne dis pas que vous dites, mais tout le temps, je lis qu'il a fait ça pour le business. Il n'a pas besoin d'argent. Claude. J'adore ce livre. Je suis vraiment galvanisée. Je suis juive, mais je n'ai aucune croyance, ni catholique, ni juive, ni rien. Je ne sais rien. Et cette histoire m'enchante. Est-ce que tu peux me dire s'il y aura d'autres recherches avec une possibilité d'autres découvertes qui étayent ta thèse? Oui, maintenant qu'on sait où ce tombeau est. C'est le début, pas la fin de l'investigation. Parce que peut-être il y a d'autres inscriptions dans le tombeau. On doit peut-être de ADN, de beaucoup de... C'est pas la fin de cette histoire. Non. Le tombeau de Jésus chez Michel Lafon, c'est signé Simra Jacobovici et Charles Pellegrino. Merci, restez avec nous quelques secondes. Quelques minutes même.
puisque nous allons aller au cinéma demain avec Isabelle Motreau. Puisque vous êtes réalisateur. Regardez cette affiche, est-ce que ça vous tente, Caroline? Écoutez, ça a l'air sanglant, le type est moche, pour moi ça fait deux bonnes raisons de pas y aller, honnêtement. Claude? L'horreur, ouais. L'horreur, ça me fait peur, rien que l'affiche me fait peur. Monsieur Jacobovici? C'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Alors Isabelle, ça vaut quoi ce film 300? Alors c'est ça fait d'abord, faut savoir que ça fait un carton aux États-Unis. C'est déjà sorti. C'est réalisé par Zack Snyder et sur la BD culte de Frank Miller qui avait fait Sin City. Et c'est l'histoire de la bataille des thermophiles, c'est-à-dire 300 Spartiates contre 1 million de soldats perses. Le film est réalisé d'une façon tout à fait spéciale puisque seuls les acteurs sont réels, tout le reste. Tous les décors sont entièrement sur fond bleu. Alors, une fois qu'on sait ça, c'est une réussite totale techniquement. Bref, vous le conseillez alors? Non, je ne le conseille pas parce que techniquement, c'est magnifique. Vous n'avez jamais vu ça, c'est une réussite totale. Donc, vous le conseillez? Mais alors, ça ne raconte, ça ne raconte rien. Ah. C'est-à-dire que c'est à la gloire de ces Spartiates qui défendaient finalement des valeurs complètement viriles. C'est plutôt une mer de testostérone qu'il y a autour que la mer normale. Enfin bref, c'est pas du tout à la hauteur de la révolution technologique que ça représente. Alors on passe à Golden Door avec Charlotte Gainsbourg. On la voit pas mal dans les journaux pour parler de ce film réalisé par le même réalisateur qui avait fait Respiro avec Valeria Golino. Un commentaire sur Golden Door, Caroline? Absolument. Je vais vous dire, c'est une affiche révolutionnaire. Regardez, tous les riches ont la tête coupée. Ah oui, c'est pas bête, ouais. Ça. Vandel? Mais c'est ça, on dirait Titanic avec seulement un dixième du budget. On dirait qu'ils ont fait l'argent pour faire le bateau. Monsieur Jacobovici? Oui, parce qu'il y a une relation avec le Titanic. James Cameron est mon ami, alors j'aime cette affiche beaucoup. Ça vaut quoi, Isabelle? Alors, Golden Door, ça raconte l'histoire des migrants siciliens qui vont par la Porte d'Or aux États-Unis. C'est un film étrange, plein de poésie, très étonnant. Et qui nous raconte quand même un petit peu au passage que l'Amérique, comme dans les rêves, eh ben, elle a bien changé. Et même au départ, elle n'était pas si accueillante que ça. J'attends quelqu'un, un film français signé Jérôme Bonnel avec Emmanuel Devos, Éric Caravaca, Jean-Pierre Daroussin, entre autres. Commentaire sur l'affiche, Claude. Alors là, tout de suite, j'y vais. Regardez, parce que je reconnais les gens. Ah, là, Daroussin, j'adore Devos, Emmanuel Devos... Les autres, je leur fais confiance. Vous prenez deux, tout d'un. Qu'est-ce que vous en pensez? Très sympathique, oui. Isabelle Motreau, alors. Alors, ben, en fait, vous le voyez sur l'affiche, tous ces personnages attendent quelqu'un. C'est un film charmant, délicieux. Il y a une espèce de, comme ça, d'envoûtement qui se dégage de ce film et on aurait envie de faire partie de leur vie. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Voilà. J'attends quelqu'un, le coup de cœur de la semaine d'Isabelle Motreau. Si vous deviez choisir un des trois, alors, monsieur Jacobovici, lequel iriez-vous voir? Voilà, il irait voir le Titanic 2. Mais un bateau qui ne coule pas puisqu'il arrive jusqu'aux États-Unis avec Charlotte Gainsbourg, Golden Door. Merci à vous. Le tombeau de Jésus, c'est chez Michel Lafon. Signé Sylvra, Jacobovici, ici présent. Et Charles Pellegrino. Merci, monsieur. Allez hop, c'est l'heure de Tout le monde à la campagne. Et ça y est, c'est officiel. Depuis hier soir, ils sont 12 dans la course à l'Élysée. 12 comme les apôtres ou comme les 12 salopards ou les 12 hommes en colère. Mais comme il y a aussi des femmes, ça ne marche pas. 12 comme les 12 mois de l'année. D'ailleurs, on devrait leur donner finalement, j'y ai pensé, un mois chacun. Un mois chacun à l'Élysée. C'est ça la solution. On donnerait février à Le Pen pour ne pas prendre trop de risques quand même. Et les mois de printemps et d'été aux filles parce que c'est quand même plus agréable. 12, ils sont 12 comme l'ancien numéro des renseignements. On a du bol qu'il ne soit pas 118, 712. Et donc, depuis hier, on s'amuse à faire des statistiques. Alors, on nous dit que sur 12, il y a un tiers de femmes. Voilà, ça en fait 4. Les voici donc, évidemment, par logique, 2/3 d'hommes. Les voilà. On nous dit aussi qu'il y a 1/4 de trotskistes. Et oui, là, au moins, si vous voulez voter trotskiste, vous avez l'embarras du choix. Il y en a donc 3. Si vous êtes de gauche, vous avez le choix entre 7 candidats. J'en ai compté 7 à gauche, ça c'est intéressant. Hein, voilà, le choix entre 7. Si vous êtes de droite, vous avez le choix entre 5 candidats. Alors oui, j'ai mis François Bayrou dans les candidats de droite parce que c'est vrai qu'il dit qu'il est au centre.
Mais quand même, il est à droite, parce que la meilleure preuve, c'est qu'il veut gouverner avec des gens de gauche. Pour être au centre, il faut donc qu'il soit de droite. Autrement, ça voudrait dire... Non, mais c'est vrai. Si je suis son raisonnement. Il dit, je suis ni de droite, ni de gauche. Mais je vais être au centre, et quand je vais gouverner, je vais gouverner avec des gens de gauche. Ça veut donc bien dire qu'il est à droite. Oui. C'est logique. Oui, oui. Ça en fait donc 5. Si vous êtes apolitique, ni de droite, ni de gauche... Alors là, il faut trouver d'autres raisons pour voter pour l'un ou l'autre. Alors imaginez que vous voulez voter pour quelqu'un qui porte des lunettes. Vous avez le choix entre Marie-Georges Buffet et Jean-Marie Le Pen. Si vous voulez quelqu'un qui porte la moustache, ben là, vous n'avez pas le choix, il n'y a que... José Bové. Si vous voulez quelqu'un qui porte la cravate, là, alors là, vous avez le choix entre 4. Hein, voilà. C'est les 4 seuls qui portent régulièrement la cravate. Bon, ça vous laisse quand même encore un choix. Si vous voulez choisir entre les 2 plus jeunes, ce sera entre Olivier Besancenot et Frédéric Nihous, le candidat des chasseurs. Si vous voulez choisir entre les 2 plus vieux, il faudra choisir entre Arlette Laguiller et Jean-Marie Le Pen. Si vous voulez un prénom composé, on ne sait jamais. Vous avez le choix entre Marie-Georges Buffet ou Jean-Marie Le Pen. Si vous voulez un prénom unisexe, vous avez le choix entre Dominique Voynet, Frédéric Nihous ou José Bové. Ah bah oui, il y a des filles qui s'appellent José, monsieur. Oui, il y a une journaliste de Libé qui s'appelle José Garçon. Il n'y a pas que votre journaliste de Libé, il y a des tas de filles qui s'appellent la même moustache. José Dayan, José, des tas d'autres. Voilà, vous avez le choix entre 3. Si vous voulez choisir quelqu'un dont les initiales représentent quelque chose pour vous, vous aurez le choix entre... OB, une marque de tampons. FN, un parti politique. Ou JB, une marque de whisky. Si vous voulez choisir selon le signe zodiacal des candidats, eh bien, vous n'allez pas le croire, mais ils sont 12 candidats et il y a 12 signes zodiacaux. Et ça paraît incroyable, mais ils ont chacun un signe zodiacal différent. Non. Alors, je veux le Gémeaux. Quoi? Si vous devinez, le cancer, il est en bas à droite. Eh bien, si vous êtes prêts à croire ce que je viens de dire, vous pouvez choisir selon leur signe zodiacal. Non, mais quand même, franchement, vous y avez cru? Eh ben oui. Non, mais quand même, vous êtes couillon. Comment vous pouvez imaginer? Ça me paraissait plus probable. J'ai cru que vous alliez dire à un moment donné... Eh bien, ils sont les 12 sont du même signe. Là, je vous aurais pas cru. Mais même de signes différents, c'est impossible. Voyons, réfléchissez un peu. Mais si. Il y a une chance. Quand même s'il y a une chance, il y a une chance, mais sur des millions. Ah oui. Eh bien, oui. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de le dire à la télévision. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais... dans la série, si vous voulez, si vous voulez faire une équipe de football, ils sont trop nombreux. Si vous voulez faire une équipe de rugby, ils sont pas assez nombreux. Voilà, combien il y en a. Si vraiment le signe zodiacal vous intéresse, je vous signale qu'en majorité, ils sont béliers. Il y a 3 béliers, Olivier Besancenot, Philippe Devilliers et Gérard Chivardier. Ça prouve bien que l'astrologie, c'est de la connerie, parce que si Besancenot ressemble à Devilliers, je me coupe les... Et elle, et Ségolène, elle est quoi? Ségolène, elle est vierge, comme... comme c'est tenu. Notre dernier invité pour ce soir, il s'agit de Monseigneur Gaillot, l'ecclésiastique français connu pour ses positions progressistes qui lui ont pas toujours valu, il faut le dire, une grande popularité auprès du Vatican et qui, une fois de plus, Monseigneur Gaillot, il faut bien le dire, étonne en affichant son soutien à Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Hier, le berger corse était au tribunal de grande instance de Paris pour soutenir sa plainte contre le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy pour atteinte à la présomption d'innocence. Monseigneur Gaillot était d'ailleurs présent à l'audience aux côtés de la famille Colonna pour défendre le principe du procès équitable. Soyons bien clairs, il va nous l'expliquer. Monseigneur Gaillot ne dit pas que Monsieur Colonna est innocent. Il dit qu'il faut en tout cas qu'il ait un jugement équitable. On va donc tout de suite accueillir pour en parler l'évêque de Parthenia, Monseigneur Gaillot. Bonsoir, Monseigneur Gaillot. Il y a longtemps qu'on vous avait vu ou entendu sur les radios et les télés, et là, c'est vrai qu'on vous voit à nouveau pour prendre la défense d'Ivan Colonna. Est-ce que ça, c'est déjà un peu fort comme expression? Prendre la défense d'Ivan Colonna, c'est peut-être pas tout à fait l'expression exacte. Prendre la défense, en tout cas, d'une justice égale. C'est vrai, je pense qu'il ne faut pas condamner quelqu'un avant qu'il ait eu un procès. Et c'est un homme qui est en prison depuis 4 ans, il n'est toujours pas jugé. Et on le fait passer pour l'assassin du préfet, y compris le ministre de l'Intérieur. C'est honteux.
Mais quand même, est-ce que après tout, je me fais l'avocat du diable, là, ou plutôt l'avocat du ministère de l'Intérieur, le diable c'est peut-être Yvan Colonna dans l'affaire, est-ce que quand même, si on le présume coupable, c'est aussi parce qu'il s'est caché pendant des mois et des mois? Écoutez, moi j'aurais fait comme lui. Oui. Ah bon? Mais oui, ah bon, bah, écoutez, c'est quelqu'un, il garde ses moutons, etc., et il voit dans le journal, en première page, que c'est un assassin et qu'il est dangereux et armé. Il dit, mais si je me présente, on va me flinguer, et puis on va m'arrêter, et puis etc. Non, parce que moi, qui n'ai rien à me reprocher, si je vois dans le journal, effectivement, qu'on me présente comme un assassin et comme quelqu'un qui est armé, je vais me présenter à la police en disant, écoutez, je n'ai rien à me reprocher, et je peux vous le prouver. Ben, moi, je ne ferais pas comme ça. D'accord, moi, j'aurais fait comme Battisti, quand j'étais content quand il a pris l'exil. Alors, oui. Hier, en tout cas, il s'agissait de savoir, on attendra le jugement du tribunal, mais de savoir si effectivement, en déclarant, maintenant il fait un peu plus attention au ministre de l'Intérieur, mais en déclarant au départ, effectivement, qu'il avait arrêté l'assassin du préfet Erignac, oui, c'était un des arguments de M. Sarkozy, il y avait atteinte à la présomption d'innocence. Maintenant, quand il dit, M. Sarkozy, l'assassin présumé, il est dans son bon droit, M. Sarkozy. Moi aussi, je dis assassin présumé, puisque c'est tout à fait ce qu'il faut dire, non? Moi, je crois que le mot assassin est trop. Ah, oui, oui. Le présumé, il faut dire. Ouais. Faut dire oui. Le présumé. Pierre. Monseigneur, je vous appelle monseigneur parce que vous n'êtes plus vraiment monseigneur. Sans ça, je vous aurais dit monsieur l'évêque. Moi, je trouve qu'un évêque qui va contre sa hiérarchie, c'est plutôt sympathique et tous vos combats sont honorables. Pour les sans-papiers, pour les sans-logis, ça, et je trouve que c'est très bien et qu'il faut des agitateurs comme vous. Mais là, j'ai l'impression que vous allez un peu loin. Parce que c'est vrai qu'un ministre de l'Intérieur ne doit pas dire l'assassin, il doit dire même pas l'assassin présumé, il doit dire le suspect ou des choses comme ça. Mais enfin, quand même, dans ce pays horrible, affreux dans lequel nous vivons, pays ignoble où le ministre de l'Intérieur peut dire l'assassin sans que le type ait été jugé. Eh bien, un type qui est en prison depuis 4 ans, dans ce pays horrible, ce type-là a le droit de mener au banc d'infamie, c'est comme ça que ça s'appelle, le ministre de l'Intérieur. Ça ne vous fait pas réfléchir sur le pays dans lequel nous vivons? Je trouve que ça, c'est très bien. Ah bon, parfait. Que on a la possibilité de traîner devant la justice le ministre de l'Intérieur, c'est très bien. Je suis d'accord avec... C'est une possibilité. Mais moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est très bien, mais je trouve donc qu'on doit être un peu moins violent quand on fustige les travers de la démocratie. Voilà. Philippe Vandel. Vous êtes le seul ici à l'avoir rencontré en prison. Vous êtes allé le voir. Quand vous êtes en prison avec lui, de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez de l'affaire? Est-ce que vous parlez de Dieu? Est-ce que vous parlez de toute autre chose? Ben, quand je suis allé le voir la première fois, je me suis trouvé avec son père. Il y avait parloir ce jour-là, donc on était deux dans un minuscule parloir devant Yvan Colonna que je ne connaissais pas. Et donc de quoi on a parlé? Certainement pas de l'affaire. Et moi je pose jamais de questions sur le passé du prisonnier. Mais il nous a parlé un petit peu de ce qu'il faisait en prison. Bon, il faisait pas mal de sport, il a appris l'italien, il apprend l'espagnol. Vous lui avez apporté des livres, beaucoup, je crois. Oui. 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 Là, c'est la première Comment fois. S'évader en ouais. La serrurerie en 10 leçons. Isabelle et puis Caroline. Est-ce que Yvan Colonna est chrétien, catholique? Est-ce que vous l'avez vu parce qu'il fait partie de la foi chrétienne? Il est athée. Il est athée. Mmh. Et comment est-ce que vous pouvez soutenir quelqu'un, vous, qui peut-être a assassiné quelqu'un d'autre? Écoutez, je défends le droit de la présomption d'innocence, c'est quand même pas rien. Oui. Donc c'est pas de la charité chrétienne. Est-ce que vous auriez ouvert votre porte si vous étiez... Mais ça c'est normal, là, quand même. À Touvier, par exemple, qui était le chef de la milice de Lyon en 44, qui s'est caché dans les églises et dans les monastères pendant 40 ans. Auriez-vous ouvert au nom de la charité chrétienne ou non au nom du droit? Non, je crois que je l'aurais pas accueilli. De toute façon. Alors ça veut dire que vous êtes plus contre les présumés, pardon, je vais dire quelque chose de terrible, ça veut dire que votre foi et votre pardon va plus vers les présumés coupables de gauche que vers les présumés coupables de droite? Non, je crois qu'on ne peut pas oublier la justice. Si on, disons qu'on accueille Touvier, il faut le livrer quand même à la justice. On n'a pas le droit de le garder et de le soustraire à la justice. Avez-vous rencontré la famille Erignac? Je n'ai pas rencontré, non.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait important aussi de les rencontrer avant de défendre plus ou moins la présomption d'innocence d'Ivan Colonna? Je pense que la famille Arinac doit... Ils sont présumés tristes, en fait, la famille Arinac. Accepter la démarche que je fais, quand même. J'imagine avec difficulté. Voilà pourquoi je me disais que ça aurait pu être possible d'organiser une rencontre. Caroline. Pourquoi pas? Loin de moi l'envie de critiquer quelqu'un qui fait beaucoup de bien, qui a des combats extrêmement justes. C'est pas parce que 90 ou 99% peut-être de vos combats sont justes, bons et loyaux, que peut-être il n'y a pas de temps en temps des erreurs. Vous avez dit dans la presse que même s'il s'avérait qu'Ivan Colonna, à l'issue du procès, soit coupable, vous ne regretteriez pas de l'avoir défendu et soutenu. Mais dans le choix de vos combats, moi j'ai un sens pratique extrêmement terrien. Je me dis, d'un côté, il y a peut-être un présumé coupable ou un présumé innocent, mais en tout cas, il y a des vraies victimes. Des enfants qui ont perdu leur père, une femme qui a perdu son mari. Pourquoi prendre ce risque alors que déjà dans le passé, vous avez eu une histoire où vous avez soutenu un prêtre que vous aviez engagé, qui avait eu une condamnation pour pédophilie, et que vous avez eu des termes parfois, vous dites, à ce moment-là, vous avez dit, à l'époque, j'étais moins sensible à la question de la pédophilie, peut-être que je me suis trompée. Bon, ça, c'est évident. Vous n'avez pas peur de vous tromper, peut-être encore de combat, puisqu'il y a quand même 50% de chance d'un côté ou de l'autre, finalement. Je dois vous dire d'abord que c'est le comité de soutien qui m'a demandé de m'occuper de cette affaire. Ça ne vous oblige pas à répondre oui. D'accord, mais quand même, ce n'est pas de mon initiative, c'est parce qu'on m'a demandé, on m'a expliqué le cas, et j'ai dit, ben oui, quelqu'un qui est en prison, qui depuis des années, et qui n'est pas passé en jugement, c'est honteux de le laisser en prison, alors que c'est un innocent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après tout, ce qui s'est passé hier, le fait, et Pierre a eu raison d'insister là-dessus, le fait que justement sa plainte ait été reçue, recevable, et que effectivement elle sera jugée, a priori, il va perdre contre Nicolas Sarkozy sur ce dossier de la présomption d'innocence, mais en tout cas, on a été jusqu'à effectivement aller au tribunal hier. Est-ce que ce n'est pas plutôt un signe que son procès devrait être équitable et sera équitable ? Je l'espère, j'espère qu'il y aura un procès équitable. Mais même si je me suis trompé en le soutenant, on peut quand même penser que défendre la présomption d'innocence est un bon combat. Jérémy Michalak. Moi, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Alors, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Il paraît que par solidarité, vous allez maintenant prononcer les messes avec une cagoule et remplacer l'hostie par une tranche de saucisson d'âne. C'est vrai ou pas? Ah bon. Toi, t'es pas prêt de faire l'acquisition d'une résidence secondaire. Vous ne comptez pas aller en Corse en vacances? Je pense pas. Pas cette année, non. Parfait. Pas cette année. Et à l'église non plus. Isabelle Motro. Vous avez peut-être croisé en coulisses Simra Jakobitsi qui vient pour son livre Le tombeau de Jésus, présumé, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de ce tombeau de Jésus? Écoutez, vous avez cru à son histoire? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que là, il est en train de creuser dans la loge. Hein. Il cherche des trucs encore, là. Je n'ai pas lu ce livre, mais même si on retrouve quelque chose dans ce tombeau, ce n'est pas ça qui va changer ma foi. Alors, vous le présumez escroc, alors, le fait. On va vous garder avec nous quelques instants. Vous allez pouvoir réagir à quelques sujets choisis dans l'actualité. Il se trouve que le premier sujet choisi, j'imagine, va vous faire réagir et va tous nous faire réagir sur ce plateau. Voici Info Réaction. C'est la une de Libération ce matin. J'imagine que cela vous a interpellé, la une de Libé ce matin sur le Darfour Agir. Il y a ce soir à Paris un meeting qui lance la mobilisation et l'appel à s'engager, évidemment, pour régler ce drame humanitaire. C'est au Soudan, à la frontière du Tchad et du Soudan, le Darfour, avec déjà des millions, il faut le dire, de gens qui ont dû se déplacer. 200 000 morts, nous annonce-t-on. C'est une guerre civile qui frappe là-bas. Vous êtes au courant de ce dossier? Vous avez un commentaire? Oui, je serai au meeting ce soir, je suis invité. On avait fait une grande rencontre au Théâtre de la Madeleine il y a plusieurs mois. C'était la mutualité, le meeting ce soir. Et là, justement, on va présenter aux 12 candidats des points précis d'engagement. Pierre, réaction? Moi, je pense que c'est très bien de faire ça, parce qu'on ne peut plus avoir la vieille excuse qu'on avait, que les gens ont eue dans les années 40, à savoir, on ne savait pas. Là, on sait, le génocide est en train de se perpétrer devant sous nos yeux, et on ne peut plus, on n'a même plus l'excuse de la peur d'Hitler.
parce que il suffirait de certains, quelques troupes là-bas pour que tout ça s'arrête. C'est absolument honteux et ils ont raison de manifester. Voilà. Jérémy ? Je sais que les deux choses ne sont pas du tout comparables, mais quand on voit effectivement que les candidats à la présidentielle vont venir à ce meeting ce soir, c'est une très bonne chose que tout le monde soit bien conscient de ça. Maintenant, d'un autre côté, quand 6 mois après avoir signé le pacte écologique, Nicolas Hulot revient dans la présidentielle en disant « finalement, ils s'en foutent », ben, j'espère que dans 6 mois, les gens du Darfour ne reviendront pas en disant « finalement, ils s'en foutaient, c'était juste pour être élu ». Julia, ajouter quelque chose ? Bien sûr. Enfin, je crois quand même pour le Darfour, on peut se mobiliser, il y a l'opinion publique, même si l'ONU ne bouge pas beaucoup, on a quelque chose à faire. Et les 8 points qu'on donne aux candidats sont quand même importants pour bloquer les mécanismes financiers, pour enlever les PISA, pour ne pas permettre aux gens de Khartoum de venir à Paris, etc. Enfin, il y a quand même... C'est vrai, mais Jérémy Michalak a tout à fait raison, même s'il compare ça à l'écologie, il a raison de dire que les 8 points, et Hulot les a fait signer aussi aux candidats, et que 3 ou 4 semaines plus tard, ils ont tous oublié le pacte qu'ils ont... Ils oublient tous d'en parler. On ne sait pas encore s'ils vont oublier d'agir. Oui, moi, je sais déjà, je peux vous dire. Franchement, vous êtes bien naïve, Caroline Diamant. Oui, je suis bien naïve. On va passer à quelque chose de plus léger. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la famille royale, Claude Sarraute. Regardez, Charles d'Angleterre va être grand-père. Enfin, pas tout à fait grand-père, beau-grand-père. Ou paraît-il, doit-on dire grand-beau-père. Je ne sais pas exactement ce qu'on doit dire. C'est trop comme nouvelle. Vous ne rendez pas compte. Vous ne rendez pas compte. Vous rendez compte. La femme du fils... de la femme du fils de la reine est enceinte de 3 mois. Et vous balancez ça comme ça. Regarde en bas. Claude. Ah, regarde en bas. Cette pauvre chérie Camilla, elle vient de subir une hystérectomie. Indiquée début mars. C'est sous ton nez. Et sa fille peut encore avoir des enfants. Caroline. Moi, je suis très content pour lui que pour une fois, on puisse accoler l'adjectif beau à son nom, honnêtement. Ouais. Bien sûr, c'est beau de se moquer des... Ici, on défend les assassins présumés et on se moque des rois. Voilà ce que c'est, ce truc-là. Dernière information, réaction. La sortie au mois de mai du film Pirates 3 dont on nous parle déjà alors qu'on est qu'au mois de mars quand même, faut quand même le faire, c'est quand même dingue, c'est dans 2 mois et déjà il y a des bandes annonces, déjà on nous parle du retour de Johnny Depp et d'Orlando Bloom dans le 3e numéro de la série Pirates. Vous aviez vu les 2 autres, Claude ? J'ai vu le 2e et j'ai cru mourir de peur. Ah oui ? Ah non, attends. Tous ces hommes qui ont des têtes de méduse, comment c'est fait? Je ne sais pas par quelle tricherie, par comment ils sont vraiment c'est comme la ça. Ils sont comme ça en vrai. Caroline. On ne peut pas juger le film, mais quand il y a une belle leçon de marketing, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Tous les films qui seront présentés à Cannes le 23 mai, c'est Cannes, vont faire l'objet de beaucoup de publicité juste avant. Eux, ils tapent un grand coup, je ne savais absolument pas qu'il y avait un pirate. Mais qui a envie de prendre une bonne leçon de marketing? Des gens qui font du marketing, tous les gens n'ont pas la chance. On a une bonne leçon de marque. Ils attendent 7 à 10 millions de spectateurs du type qu'ils en aient 15 millions, mais tant qu'ils ne m'obligent pas à y aller, ça va. Je n'ose pas vous demander, Monseigneur Gaillot, si vous êtes allé voir Pirate 1 ou Pirate 2. Non. Vous allez au cinéma de temps en temps? Oui. Et quel est le dernier film que vous ayez vu? La Grande Vadrouille. L'enquête corse, peut-être, avec Christian Clavier et Jean Reno, qui étaient très réussis, il faut dire, corse, et qui, entre autres, évoquaient aussi, il faut bien le dire, l'histoire d'Ivan Colonna. Vous êtes venu pour nous parler de ce qui s'est passé hier au tribunal. Écoutez, c'est votre choix. On a essayé de comprendre, effectivement. De toute façon, c'est sûr que combattre pour que la justice soit juste et qu'elle soit équitable, c'est un beau combat. En même temps, on peut comprendre aussi que cela fasse réagir. Je crois que l'important, c'est d'être proche de ceux qui sont en difficulté ou en danger. C'est ça qui est important. Bon, on retiendra cette leçon. Merci, Monseigneur Gaillot, et on se dit à demain.